Donc aujourd'hui, on va faire une nouvelle action du programme éducatif fédéral. On va travailler sur les bons et les mauvais comportements qu'on peut avoir sur un terrain de football. D'accord ? Donc, pour faire ça, on va faire au niveau du théâtre, comme une pièce de théâtre. C'est-à-dire que vous allez piocher un thème et vous allez devoir le faire deviner à votre équipe. Si votre équipe le devine, vous avez gagné un point. Si c'est l'équipe adverse, vous avez... Deux points pour l'équipe adverse, c'est le double. Vous êtes d'accord? On va faire un exemple. Je vais vous donner un thème, vous allez essayer de le faire deviner, ok? C'est comme si j'ai pioché, mais là on pioche pas. Hein. Ah, c'est parti. Est-ce que vous avez trouvé ou pas? Les jeunes? Elle triche. Non, elle triche pas. Elle fait quoi? Elle n'écoute pas l'arbitre. Voilà, elle n'écoute pas l'arbitre. Donc, on va commencer par l'équipe des Bleus. Deux volontaires pour l'équipe des Bleus, les deux premières. Allez-y, venez, levez-vous les deux premières. Une qui pioche un comportement qui sera bon. Une qui pioche un comportement qui sera mauvais. Allez-y. Ok, les Bleus d'abord. Les Bleus. L'adversaire. Très bien. Je vérifie. Je refuse de serrer la main à mes adversaires. Bon ou mauvais comportement? Alors, les Bleus, les jeunes, c'est après. Les Bleus, vous êtes mis en groupe, hein, c'est une réponse de groupe. Elle fait tomber son adversaire, après elle l'a relève. Très bien. Je relève mon adversaire si je le fais tomber. Un mauvais ou un bon? Un bon. Super, très très bien. Deux points pour les Bleus, on passe pour l'équipe jaune. Vas-y, une de chaque côté, pioche. Voilà. Et vous choisissez. Le thème. Très bien, je refuse de donner le ballon à mon coéquipier. D'abord, centrez-vous et prenez une décision ensemble. Le premier, très bien, ça fait un point pour les jeunes. Bon ou mauvais comportement? Mauvais. Mauvais parce qu'on doit jouer en équipe. Le mot équipe, il est très très bien. Très important. Hop. Attention. Les jeunes, vous êtes concertés? Elle encourage alors qu'elle va... C'est quoi votre réponse? Elle va pas pour faire le ballon, mais elle l'encourage. Ok, c'est la réponse des jeunes. C'est faux. Les Bleus? Elle soutient sa coéquipière. Voilà, la bonne réponse est soutenir sa coéquipière. Donc ça fait 2 points en plus pour les Bleus. Ça fait 4 pour les Bleus. 1. Vous pouvez parler, vous avez perdu, on a gagné. Refaites une autre, allez. Vas-y. Vous avez perdu, nous on a gagné. Alors, qu'est-ce qu'elle essaye de faire? Les Bleus d'abord. Elle déstabilise. C'est quoi votre réponse? Elle se moque des autres parce que... Se moquer de qui? De l'adversaire. De l'adversaire. Très bonne réponse. Bon ou mauvais comportement? Mauvais. 5e point pour les allez-y. Bleus. Allez-y. On refait. Elle écoute les consignes de l'arbitre, elle respecte l'arbitre. Je respecte les consignes de l'arbitre. Est-ce un bon comportement ou un mauvais comportement? Un bon comportement. Respecter les consignes de l'arbitre, est-ce qu'un bon comportement ou un mauvais comportement? Pas mal. Allez, deux bleus. Tout le monde devra passer. Un là, un là-bas.
Alors aujourd'hui, on va faire une action. Et moi aussi, je vais faire. Ok. Alors, les bleus, vous proposez. Elle coupe la parole à son éducateur. Je coupe la parole à mon éducateur. Très bonne réponse. Point pour les bleus. 6-5. Le deuxième, attention. Bon, mauvais comportement, couper la parole. Très bien. Est-ce que vous avez des questions pour le match? Deuxième fois. Je pense que les bleus, vous avez pu vous concerter. Qui va répondre pour les bleus? Shaina. Elle attend qu'on lui donne la parole. Elle a dit bonjour. Elle arrive, elle a fait bonjour. Et Jeanne, on vous écoute. Elle a dit bonjour. À qui? À son coéquipier. À qui on dit bonjour dans le terrain? À son coéquipier. Elle a dit bonjour à tout le monde. Elle décourage son adversaire. Non. Non, j'ai donné un indice au début, vous ne m'avez pas écouté. J'ai dit qu'ils étaient... Bavards dans le terrain. Dans la même... Équipe. Elle ne veut pas donner la passe à son... Non. Elle a donné la passe trop près. Elle lui fait mal. Non, regardez. Ils sont dans la même équipe et ils critiquent l'autre. Voilà. Ouais. Elle critique la joueuse de son équipe. Très bien. Bon ou mauvais comportement? Mauvais. Qu'est-ce qu'on doit faire dans un match? On doit respecter. Les filles, vous m'écoutez? Oui. Alors. On a fait une petite scène de théâtre avec les bons et les mauvais comportements. J'attends les bons comportements. Dites-moi les différents bons comportements qu'on peut avoir sur un terrain. Dire bonjour à tout le monde. Dire bonjour à tout le monde. Respecter le coach. Ne pas contredire l'arbitre. Écoutez ce qu'il a. D'accord. Dire au revoir si on a fini le match. Dire au revoir quand on a fini. Ne pas se moquer de ce coéquipier. Pas se moquer de ce coéquipier, c'est un bon. Donc ça, c'est des exemples de bons comportements, on est d'accord? Les comportements que j'aimerais ne jamais voir avec vous, pour l'instant, je ne les vois pas, content que ça continue. Quels sont les mauvais comportements que vous pouvez me dire? Ne pas dire bonjour. Ne pas dire bonjour. Ne pas écouter son coach quand il fait un changement. Ok, ne pas le frapper ou insulter l'arbitre. Ne pas serrer la main à l'adversaire quand on n'a pas. Très bien, ne pas mettre les pieds sur les chaises, c'est aussi pas mal. Ne pas critiquer les autres. Voilà, donc vous avez tout compris. Encore une fois, vous pouvez vous applaudir parce que c'est super.